Bonjour Catherine. Bonjour Christine, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien et certainement tous nos participants t'entendent également. Alors bonjour à tous les participants, au public nombreux que je ne vois pas et peut-être que ça m'empêche d'être un peu moins stressée, ça me rend un peu moins stressée. Et Certainement. bonjour aux collègues qui sont peut-être présents, pas dans la salle, mais derrière leur ordinateur. Et je peux te dire en tout cas qu'ils viennent du monde entier. Nous avons des gens d'Ukraine, de Russie, du Brésil, de France. Enfin, c'est magnifique. C'est un moment vraiment exceptionnel pour nous qui, d'habitude, sommes sur la place de l'Europe à cette heure-ci et discutons avec un public essentiellement belge. Alors, c'est formidable d'avoir des participants qui viennent de partout. Et qui j'espère, apprécie et profite de notre journée de la traduction. Voilà, on attend encore quelques minutes l'arrivée de Muriel. Et voilà, alors nous voilà à 15h. Nous allons commencer cette avant-dernière table ronde déjà. Et puisque c'est moi qui vais l'animer, je vais me permettre d'être un tout petit peu plus intime que voilà, je vais vous inviter chez moi dans mon bureau et ce sera certainement plus agréable que d'être l'image définitive et figée de la foire du livre de Bruxelles, ce que je ne suis pas. Je ne suis que chargée de mission. Alors vous voyez que ma collègue Laura, qui est là en dessous de moi, ou en tout cas moi, dans ma spatialisation, elle est en dessous de moi. Donc, je la remercie énormément parce que c'est elle qui nous gère toute la logistique numérique. Et donc, ça me fait bien plaisir. Alors, puisque nous sommes très nombreux et que je vois le compteur des participants augmenter, ça c'est magnifique. Je me permets, avant de vous parler de Catherine et de Muriel, de vous parler un peu de moi. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à plus d'une centaine de personnes, donc je vais en profiter. Il se fait que j'aime beaucoup, bien qu'étant traductrice littéraire de formation, j'aime aussi énormément les arts. Et l'an dernier, en 2020, nous avions la possibilité de voir une exposition absolument incroyable. Qui a commencé au début du mois de février et qui devait se terminer au mois de juin, je crois. C'était une exposition qui se tenait à Gand sur l'œuvre de Van Eyck. Bon, vous imaginez bien, moi qui suis déjà allée à Londres spécialement pour voir le banquier Arnolfini et sa femme, j'ai pris mes places, j'étais sur le site internet. J'avais des places pour rendre visite à cette magnifique exposition le 20 mars et nous avons été confinés le 13. Je n'ai donc pas pu cette fois-là aller voir cette exposition. Donc, je me venge un peu, voilà, je me venge un peu, je me fais plaisir et j'ai invité Muriel Weiss et Catherine Warnant, qui sont deux traductrices d'art, qui ont participé à un titre ou à un autre, elles vont vous raconter ça tout de suite, à cette exposition Van Eyck. Donc j'ai une petite compensation aujourd'hui et ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, Catherine, on va commencer, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît, donc D'accord, je parle oui. là. Dans ma spatialisation, tu es aussi juste à côté de moi, donc voilà. Je voulais te demander quel a été ton parcours avant d'arriver à la traduction de textes d'art. Est-ce que tu es traductrice? Voilà. Quel a été ton parcours, oserais-je dire, des origines à maintenant? À nos jours. Eh bien, moi, je suis en fait traductrice de profession, donc j'ai fait des études de traduction et d'interprétation à l'Institut Libre Mariaps, donc qui était une école supérieure non universitaire qui dépendait de l'UCL et qui maintenant fait partie de l'UCL, enfin, et en partie de l'UCL et en partie de Saint-Louis.
Donc là, j'ai fait des études, j'ai fait 5 ans d'études, la traduction et puis l'interprétation. Et j'ai eu deux profs qui m'ont vraiment beaucoup marqué, deux profs de néerlandais et de traduction, donc du néerlandais vers le français, Claudine de Schaapdrever et Marnix Vincent. Et donc moi, après mes études, oui, j'étais très branchée, traduction littéraire aussi, en tout cas traduction dans laquelle il y a, où il faut mettre un peu de sa plume, de sa patte. Oui, suffit. Oui, c'est ça. Pas spécialement en traduction technique, mais plutôt traduction avec un peu où on met un petit peu de soi dans la formulation et dans les textes. Et donc après mes études, ben, je me suis installée comme indépendante. J'ai commencé à chercher des clients et à travailler, à faire des traductions un peu de tout style. Mais assez vite, Marnix Vincent, donc mon ancien professeur, m'a demandé si je voulais participer à certaines traductions de livres du fonds Mercator pour lequel il travaillait. Donc le fonds Mercator, c'est une grande maison d'édition d'art belge qui est en fait née à l'initiative de Maurice Nassens, qui était le directeur de la banque Paribas Belgique et un passionné d'art. Et donc c'est lui qui a créé cette maison d'édition qui, moi, quand j'ai commencé à travailler pour elle, avait comme éditeur Yann Martens. Et donc voilà, grâce à mon professeur Manique Vincent, que je salue là-haut, j'ai commencé. Voilà, le premier bouquin auquel j'ai participé, c'était, voyez, c'est plus grand que moi. On peut faire des haltères avec. Donc c'était un livre, voilà, Peintre flamand en Hollande. Et c'est vrai que bon, ça m'a tout de suite passionnée. En même temps, c'était très con. Enfin, il fallait, j'ai vraiment dû faire des travaux de recherche énormes parce que j'étais pas spécialement, je n'y connaissais pas grand-chose en art et que je suis tombée sur. Voilà, il y a des descriptions très précises de tableaux, de Ne textes. nous raconte pas tout encore. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Donc c'est par ce biais-là que j'ai été introduite un peu dans le milieu de l'édition d'art et que j'ai commencé, je dirais même encore maintenant, c'est comme ça, je fais la moitié du temps des traductions d'art et la moitié du temps des choses plus prosaïques. Voilà, parce qu'il faut gagner sa croûte aussi et que voilà. Alors, Isabelle, toi, ton parcours, ça s'est passé comment? Aussi par une rencontre, un hasard? Grâce à mon premier boulot, en fait, j'ai étudié les langues, ce qui s'appelait les langues et linguistiques à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. J'avais enfin pris l'option allemand-arabe et je savais que je voulais étudier les langues. La traduction, c'était un vague rêve, mais voilà, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de mes études. Mais il se fait que le premier boulot que j'ai décroché, c'était celui de secrétaire de direction et assistante à la programmation culturelle au Goethe-Institut de Bruxelles. Donc là, j'ai plongé dans l'univers artistique et dans le monde, le milieu de l'art belge et allemand plus indirectement. Je suis restée 5 ans au Goethe-Institut et ensuite je me suis installée à mon compte comme traductrice et j'avais déjà fait de la traduction dans le cadre de mon travail. Au Goethe-Institut. Enfin, ce n'était pas des très, très gros jobs, mais bon, en tout cas, j'avais découvert que j'aimais ça beaucoup. Bon, quand je me suis. C'est grâce à mes relations via le Goethe-Institut et dans le monde de l'art en Belgique que j'ai eu mes premiers contrats. Mon premier gros contrat, c'était après un an, c'était. Je n'ai pas préparé le catalogue. C'était Austria im Rosennetz pour le Palais des Beaux-Arts, donc l'Autriche visionnaire, où j'ai coordonné les traductions. Et c'est grâce à ce catalogue que j'ai rencontré une traductrice qui m'a encouragée à suivre la formation du CETL. Voilà.
voilà, où j'ai fait les ateliers d'allemand. Nous saluons en passage Françoise Wilmars. Absolument. Elle n'aurait pas eu lieu. Je suis aussi évidemment diplômée du CETL, comme la majorité des traducteurs de notre génération et de notre région Bruxelles, Wallonie-Bruxelles. Et bon, voilà, sans le CETL, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas faites. Autrement dit, si je vous entends bien, il faut trouver un filon. On ne naît pas traducteur d'œuvres d'art. Il faut avoir des connexions, il faut avoir des contacts. En fait, il faut attraper, oui, la pelote par un bout de fil, et puis après, ça se déroule. L'image est un peu, le télescopage des images est un peu bizarre, mais bon, donc après, ça fonctionne par bouche à oreille, mais je peux aussi, on peut tout à fait. Enfin, moi aussi, je fais de la traduction technique et de toutes sortes. Et en fait, si je à côté, il faut saisir l'opportunité du fil qui passe. Voilà. Catherine, tu es d'accord avec ça? Enfin, oui, c'est ça. C'est un sujet qui m'a vraiment intéressée. Et donc, j'ai décidé de creuser. J'ai suivi aussi des cours d'histoire de l'art et j'ai été à des conférences, notamment au Musée Royal des Beaux-Arts et au Cinquantenaire. Parce que ce sujet m'intéressait, donc j'ai décidé de le creuser. Et alors, voilà, effectivement, au départ, c'est un petit réseau qui se crée. Et puis après, de temps en temps, j'agis proactivement, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire que j'envoie moi-même l'un ou l'autre mail pour dire que j'existe et que je suis prête à travailler dans ce secteur-là, quoi. Lorsqu'on a préparé cette rencontre, vous m'avez dit qu'il y avait une problématique intéressante dans la traduction des œuvres d'art, c'était le client. Qui demande? Quel rapport avons-nous avec ce client? Est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est une maison d'édition? Est-ce que c'est une exposition continue? Et surtout, on a parlé un peu aussi de l'autorité de la demande. Est-ce que vous pourriez reprendre cette idée dont on avait parlé lorsque nous nous sommes rencontrés récemment? Muriel? L'autorité de la... Vas-y, Catherine, vas-y, pas de problème. L'autorité de la demande, tu veux dire que la demande, enfin, que c'est pas nous qui allons chercher, voilà, qui oui. Prospectons. Ben, on est dans un autre domaine que la traduction littéraire, hein, donc on n'est pas à la découverte d'un auteur qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de traduire et qu'on va présenter à des éditeurs, si, après avoir vérifié bien sûr qu'il n'a pas été traduit. Ici, c'est vraiment... on ne peut pas, je ne me vois pas proposer un projet. Alors, il y a quelques monographies qui sont le fait d'un seul auteur, mais généralement, il s'agit, que ce soit des monographies ou des catalogues d'exposition, il s'agit d'un ensemble de textes, articles ou essais, comme on les appelle, de différents auteurs qui sont rassemblés par un éditeur ou un responsable de projet. Du coup, j'ai oublié un peu le début de la question. C'est pas grave, Catherine. Moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est pas moi qui prends l'initiative de dire j'ai envie de traduire un truc sur tel. Voilà. Moi, je me sens un peu justement comme les peintres, comment dirais-je, par exemple de l'époque des primitifs flamands, etc., qui travaillaient sur commande. Donc, eux aussi, on leur passait commande et ils ne choisissaient pas le sujet de leur tableau, etc. C'était le commanditaire ou le donateur de l'œuvre qui choisissait ce qui allait figurer sur le tableau. Donc moi aussi, on me propose des sujets et je les accepte volontiers. Et évidemment, j'ai certaines préférences pour certains peintres, certaines époques, mais en même temps, je trouve que même un artiste qui au départ auquel je n'accroche pas tout à fait au départ, quand on commence à creuser, à traduire, à découvrir l'artiste en question et à savoir par exemple les artistes plus contemporains, conceptuels et tout ça, à savoir
voilà, à comprendre le concept qui sous-tend tout ça, ça devient aussi très intéressant. Parce que ma question suivante sur laquelle tu vas pouvoir embrayer tout de suite, c'était justement de dire, bon, vous, l'une comme l'autre, vous traduisez depuis les primitifs flamands jusqu'à James Ensor ou des textes qui sont consacrés à des peintres de toute époque et tous horizons. Alors justement, ma question était, est-ce que, eh bien, pour reprendre un concept cher à Françoise Hillemard, est-ce qu'il faut avoir une empathie avec le peintre? Est-ce qu'il faut avoir un intérêt pour lui? Ou bien est-ce que on peut raisonnablement entrer dans à peu près n'importe quel tableau, Catherine? Mais moi, je trouve que l'intérêt vient en travaillant sur la matière qu'on nous donne à travailler. Et là, moi, par exemple, parmi les bouquins, je vous tourne le dos, mais j'ai traduit un bouquin sur Wim Delvoye. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est celui qui a fait la machine à caca, les cochons tatoués, les bétonneuses. Enfin voilà. Donc moi, a priori, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je m'excuse d'ailleurs si jamais il nous écoute de lui dire ça. mais en traduisant le bouquin, j'ai trouvé ça hyper intéressant de comprendre ce qui se cache derrière ses œuvres. Enfin, je veux dire, c'est pas la machine. Oui, c'est ça. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a toute une réflexion. Qui est elle aussi très intéressante. Et ici, par exemple, ce livre, il a aussi, c'est lui qui a fait la mise en page, etc. Donc, enfin oui. Donc, au final, le projet est tout aussi intéressant qu'un bouquin sur Van Eyck ou. Et pour toi, Muriel, c'est pareil, empathie, pas empathie pour l'œuvre d'art Par rapport aux œuvres d'art, c'est par rapport, ça me, j'ai pas, je me pose pas la question de l'empathie. Ou oui, il y a des travaux d'artistes qui vont plus me plaire. Oui, ce qui est déjà arrivé, c'est que, mais bon, ça a terminé. Ça s'est terminé par une magnifique expérience, c'est que je devais traduire des textes sur Marthe Weary et en fait je ne comprenais rien. Et le texte était très très difficile aussi. Mais c'est une jolie, je la raconte parce que c'est une jolie histoire. Donc j'ai contacté mon client via. Enfin oui, voilà, j'ai contacté la cliente et je lui ai dit écoutez, voilà, je suis arrivée. Là, c'est mes limites, je ne comprends pas l'allemand et je ne comprends pas de quoi on parle en fait. Et le texte a été envoyé à Marthe Weary qui a dit « Mais qu'elle vienne, je vais lui montrer comment je travaille, je suis sûre qu'elle peut y arriver. » Et donc, je suis allée dans l'atelier de Marthe Weary, j'ai découvert son travail, j'ai compris plein de choses, j'ai appris à aimer aussi tout un pan de l'art que malgré mes années au Goethe-Institut, où j'ai quand même été initiée à l'art contemporain, je n'appréhendais pas. Et enfin, tout ce qu'il y a derrière aussi, parce qu'on travaille, un texte ne porte jamais sur un artiste ou sur un certain nombre d'œuvres, il y a toujours une remise en contexte, l'artiste s'inscrit dans son temps, dans une certaine histoire, dans une histoire des techniques aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment toujours, ou en tout cas presque toujours, très riche, très enrichissant. Est-ce que ça veut dire, Muriel, que... Excuse-moi, Catherine, oui. Non, mais... Moi, je voulais parler de l'empathie. Tu dis l'empathie avec l'artiste, mais il y a aussi l'empathie avec l'auteur des textes sur l'artiste. Et donc ça, parfois, finalement, c'est les deux s'équilibrent. L'artiste, on a un peu moins d'empathie, mais on a un peu plus d'empathie avec la façon d'écrire de l'auteur des textes qui écrit sur l'artiste. Oui, exactement. J'ai bien fait d'ajouter ça, Catherine. Est-ce que, Muriel, du coup, l'anecdote que tu racontes est vraiment très intéressante parce qu'on avait parlé de ça aussi. Est-ce que tu penses qu'il faut se construire une boîte à outils spécifique pour faire de la traduction de catalogue? Je dirais, est-ce qu'il y a des outils, du vocabulaire? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel?
Et ce matériel peut être, quand je dis boîte à outils, c'est-à-dire quelque chose qui peut être réutilisable par rapport à toutes les époques et toutes les traductions que tu vas devoir faire dans les catalogues. Alors, dans mon cadre, moi, j'ai pas suivi de formation en histoire de l'art. C'est une formation progressive sur le tas. À l'époque où j'ai commencé, enfin, Internet en était vraiment à ses balbutiements. Et donc, les premiers outils, ce sont des dictionnaires qui m'ont été conseillés par l'un ou l'autre. Entre-temps, évidemment, j'en ai une belle petite collection. Et puis après, bon, ça, tous ces documents s'accumulent petit à petit. Et moi, ce que j'ai fait très vite, c'est en fait me constituer mon propre glossaire. Ah oui. C'est un simple fichier Word dans lequel, voilà, quatre colonnes, parce que j'ai oublié de préciser que je traduis aussi du néerlandais, je n'ai jamais traduit de l'arabe. Allemand, néerlandais, anglais, français, dans lequel j'entre toute la terminologie au fur et à mesure, avec plein de corrections, des points d'interrogation. Et alors, bon, aujourd'hui, on a Internet, on a accès à toutes sortes de bases de données. Mais voilà, en gros, donc c'est quand même les dictionnaires, pas les dictionnaires traductifs, hein, les dictionnaires et lexiques spécialisés dans les deux langues. Si possible, parce que les équivalences un à un sont rares, en fait. Hein. On a rarement une seule traduction pour un terme allemand et vice-versa. En fait, c'est plutôt... Et puis après, donc, ces outils du type glossaire, donc il y a ce fichier Word. Et puis après, sinon, je me constitue des petits glossaires plus spécialisés, avec, on va dire... des champs sémantiques, hein, donc voilà, j'ai quelques pages sur la gravure avec tous les termes, un peu des explications, éventuellement des noms de sites ou des endroits où aller chercher. Et puis il y a tous les bouquins de référence par ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet, Bien c'est qu'évidemment les sûr, bien auteurs font référence sûr. à quantité d'auteurs classiques. Ça c'est Mais encore autre chose. tu as aussi, toi, Catherine, une boîte à outils comme ça ou tes ouvrages de référence qui t'accompagnent quand tu travailles? Ben moi, j'ai effectivement fait des listes de vocabulaire. Bon, je ne sais pas, c'est dans une armoire là sur papier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre s'y retrouverait, mais moi, je m'y retrouve. Et aussi beaucoup dans les dictionnaires, beaucoup de vieux dictionnaires. Parce que dans les dictionnaires plus récents, il y a des tas de choses qui ne se trouvent plus. Donc, par exemple, pour le néerlandais, j'ai un vieux Galas, dans lequel je vais trouver les traductions des noms des fêtes religieuses, de certains vieux outils, etc., qui ne figurent plus dans un dictionnaire plus récent. Les encyclopédies illustrées aussi, Oui. où justement je vais pouvoir voir ces outils. Les dictionnaires unilingues, par exemple, à un moment donné, je traduisais des textes sur des tableaux de Bruegel, enfin, je ne sais plus de qui c'est. Enfin bon, bref, il y avait plein de fleurs et de végétaux. Alors voilà, on me donne le nom néerlandais, enfin, l'auteur, j'ai le nom néerlandais en néerlandais, mais alors quand je vais voir dans les dictionnaires, déjà, les dictionnaires, ils sont pas tous d'accord. Et en fait, la solution que j'avais trouvée, c'était d'aller dans le grand Vandal unilingue, chercher la fleur, par exemple. Et dans Grand Vandal Unilingue, il y a son nom latin. Et puis à partir du nom latin, je retrouvais le nom français. Magnifique. Voilà, Alors, donc des choses comme ça, oui. Ou des sites. Récemment, j'ai traduit des textes pour le musée d'art populaire de Bruges. Et donc, c'était des trucs sur des vieux métiers. Et là, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle Le Mot, où il y a plein de documentation sur des vieux métiers, tonneliers, enfin des choses comme ça, et où donc j'ai notamment, ou bien dans mon vieux Galas, etc., bon, trouvé, et puis dans des encyclopédies où on voit le tonneau avec ses différentes parties, etc., pour effectivement essayer de traduire au mieux en utilisant les termes techniques adéquats
pour traduire le texte. Muriel, tu nous disais lors de cette rencontre de préparation qu'en fait, le traducteur de catalogue d'art ou de texte d'art doit être une encyclopédie vivante et doit connaître mille choses, chercher partout, s'informer de tout, connaître de tout, être à l'éveil de tout. Bon, ce serait dans... dans un monde idéal, je suis très loin d'être une encyclopédie vivante. En tout cas, que et en plus, j'oublie beaucoup de choses. L'ouverture d'esprit et l'interculturalité, me disais-tu, était quelque chose d'absolument fondamental pour être traducteur d'art. Alors, si on veut bien faire les choses, oui, on va, comme on en parlait avec Catherine, et on va fouiller. Enfin, je crois qu'en fait, il faut. Dans les qualités, il faut avoir envie de fouiller, il faut aimer chercher. Moi, j'adore, c'est un sport. Et je rigolais parce que je suis finalement tombée sur les mêmes solutions que Catherine, qui était de retourner dans le grand Vandal, et enfin, bon, exactement le même système. Mais c'est ça qui est passionnant aussi dans ce genre de texte, surtout pour revenir à Van Eyck, par exemple. Je me suis retrouvée à faire de la botanique, un peu d'astronomie, on a parlé des carrelages aussi, des tapis, donc on ne peut évidemment pas tout savoir, donc on peut rassembler de la documentation, savoir où on peut aller trouver l'info, et puis après, il reste encore aussi le joker de l'appel à l'équipe, les échanges avec le client. Et puis, bon, parfois, on ne trouve pas un mot. Hein. Parfois, on le trouve évidemment un mois plus tard, quand le catalogue est déjà imprimé. Évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est un aspect très, très gai. On apprend vraiment plein de choses dans plein de domaines. Catherine, je pense que sur le chat, on te demande de répéter le nom de ce dictionnaire. Oui, je vois. Mais je crois que ça s'appelle juste le mot, donc le et puis mot, M-O-T. Voilà, le mot, M-O-T. Si vous voulez tout savoir sur les vieux métiers, pour pouvoir traduire convenablement. Vous m'avez dit une chose qui m'a absolument sidérée quand on a préparé cette rencontre. C'est qu'il fut un temps où vous avez dû travailler sans l'image. Vous aviez juste le texte et vous n'aviez pas l'image. Ou bien, enfin oui, on n'avait pas nécessairement l'image, donc on devait demander, réclamer haut et fort des illustrations, parfois aller à l'Albertine, enfin à la Bibliothèque Royale qui s'appelait Albertine, fouiller dans les casiers, là, pour trouver les petites fiches. Et puis, alors, ils allaient chercher les bouquins dans les réserves. Et puis, vous vous rendiez compte qu'il n'y avait pas la réponse à votre question dans les bouquins. Et donc, oui, parfois, c'était... c'était au début de ma carrière aussi où j'ai traduit tout un bouquin sur l'érection de la croix de Rubens, qui se trouve à la cathédrale d'Anvers, qu'on avait restauré. Et effectivement, pour tous les détails, etc., j'ai dû effectivement insister pour avoir des photos que j'ai fini par avoir. Ou alors aller à l'IRPA. Ça aussi. Donc l'IRPA, c'est l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. À Bruxelles, ici à ICA en néerlandais, c'est à Bruxelles au cinquantenaire. Ils ont un bâtiment au cinquantenaire. Et eux, ils ont toute une banque de données avec des photos de tout ce qui est patrimoine culturel belge. Et ils ont aussi des spécialistes de la restauration. Ils restaurent chez eux ou ils étudient des œuvres pour voir. Et moi, ça, c'est aussi un truc qui m'a complètement passionnée, justement, dans ce bouquin sur une œuvre de Rubens. J'ai, comment dire, il y avait tout un chapitre qui était consacré aux analyses techniques des œuvres d'art qui nous permettent de découvrir des tas de choses hyper intéressantes sur les œuvres d'art qu'on radiographie, qu'on passe aux infrarouges, on étudie le panneau de bois sur lequel l'œuvre a été réalisée et en étudiant les cernes du bois, on arrive à déterminer en quelle année l'arbre a été abattu. Et comme on sait qu'on laissait le bois sécher une vingtaine d'années, je ne suis pas sûre de mon chiffre, mais voilà. Donc, on arrive à dater quasiment à l'année près
un tableau qui a 500 ans, quoi. Ça, enfin, moi, ces trucs, voilà, c'est assez technique et compliqué aussi, où on arrive à dire que dans le rouge de telle robe sur un tableau d'un primitif flamand, c'est tel pigment qui a été utilisé, qui a été mélangé à telle autre matière. Où on arrive à justement faire radiographier l'œuvre et donc aller voir au-delà de la couche de peinture et voir le dessin sous-jacent et voir que le peintre a changé d'avis et donc a fait ce qu'on appelle un repentir. Voilà, effectivement, il faut faire beaucoup de recherches pour traduire tout ça, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et donc là, pour tous ces trucs techniques, toute cette partie technique, l'IRPA, c'est vraiment l'Institut royal du patrimoine artistique ici en Belgique, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et toi, Muriel, tu as parfois travaillé sans filet, c'est-à-dire sans photo aussi, sans support visuel? Oui. Ça a l'air. Oh oui. Mais en fait, oui, mais parfois c'est étonnant, c'est déjà arrivé beaucoup moins maintenant. Alors, je suppose que c'est à cause de la généralisation de l'email. Bon. Mais oui, enfin, c'est difficile à concevoir maintenant qu'on se faisait envoyer des illustrations. Bon, il y avait des délais un peu plus longs hein, à l'époque quand même, donc on se faisait envoyer des illustrations par la poste. On était parfois étonné, le client était parfois étonné de dire, ah, vous avez besoin d'illustrations, bah c'est mieux. Hein. Il m'est arrivé aussi une fois de demander à voir l'exposition. Avant, bon, c'était un peu juste au niveau timing, mais bon, l'exposition avait été montée bien à l'avance. Et alors, il restait toujours la solution, surtout en art contemporain, c'était de contacter l'artiste, Ah oui, en bien sûr. fait, et que soit lui envoie du matériel ou de poser directement des questions, en fait, sur l'œuvre. Mais bon, ça n'arrive plus maintenant. Mais enfin, ça n'arrive plus maintenant. Ça arrive encore de temps en temps que les illustrations soient très difficiles à trouver, qu'elles ne se trouvent pas sur Internet, qu'il y a tellement de droits que elles sont fournies uniquement à l'éditeur sous certaines conditions. Enfin bon, mais enfin, dans l'ensemble maintenant, on est bien équipé. Si j'ai bien compris, vous êtes des enquêtrices, des Sherlock Holmes de la traduction du catalogue ou du livre d'art. Mais justement, Catherine, je pense que toi, tu t'es aussi intéressée à tout ce qui était disons, le texte dans l'exposition même. Donc en fait, Parler un peu? oui, donc oui, c'est ça, j'ai été amenée à traduire effectivement des livres d'art, mais aussi je travaille pour des musées, donc où il faut, enfin oui, il faut traduire les panneaux explicatifs qui sont à côté des œuvres, les petites étiquettes avec les données techniques sur l'œuvre, les audio guides. La document, enfin, les dossiers pédagogiques pour les écoles. Enfin, y a tout un tas de trucs, effectivement, autour de l'expo. Est-ce que par exemple la traduction de ces panneaux sont la traduction est-elle soumise à des contraintes hein? On en parlait l'autre jour, nombre de signes, espaces, dimensions, etc., qui fait que ton approche du texte doit vraiment être cadrée dans un espace plus que dans un livre ou un nombre de pages. Eh bien, pour les panneaux proprement dit, là, je trouve qu'en général, j'ai encore de la marge de manœuvre parce que le français est toujours un peu plus long que moi, je traduis de l'anglais et du néerlandais vers le français. Le français est toujours, c'est dû à sa structure, est toujours plus long que le néerlandais et que l'anglais. Donc, effectivement, mais sur des grands panneaux, ça passe encore. Ils peuvent mettre une police de caractère éventuellement un peu plus petite. Quand il s'agit. Pour les petits cartels juste avec les données techniques de l'œuvre, c'est vrai qu'il y a certaines choses que du coup on ne traduit pas. On traduit finalement juste le titre s'il est traduisible et les données techniques, oui, huile sur panneau ou plume et encre sur l'avis, etc. Voilà, ces choses-là. Et dans les expositions, j'ai remarqué que d'année en année, le nombre de panneaux, etc., diminuait et qu'on donnait la préférence aux audioguides.
Que tu traduis aussi d'ailleurs. Oui, je traduis aussi, puis c'est des acteurs, enfin, c'est des gens qui enregistrent qui lisent le texte. Personnellement, moi, quand je visite une expo, je n'aime pas les audioguides parce que je trouve que ça met un intermédiaire entre moi et l'œuvre. Quand je lis un panneau explicatif, je lis le panneau et puis je regarde l'œuvre et je fais l'expérience de l'œuvre en direct. Tandis que quand j'ai l'audioguide dans les oreilles qui me dit de regarder tel détail et tel détail, j'aime moins. Enfin voilà, mais c'est un avis personnel. Et alors, une solution qu'a trouvée un musée de Bruges, le Groningen Museum, pour éviter d'avoir énormément de panneaux dans cinq ou six langues différentes dans ces salles, quand ils ont réaménagé le musée, parce qu'ils ont modifié la disposition des œuvres, ils ont réaménagé toutes les salles, ce qu'ils ont fait, c'est mettre toutes ces informations sur des espèces de grandes feuilles plastifiées qui sont disponibles à l'entrée de chacune des salles dans cinq, six langues différentes. Là, il y a un présentoir avec les feuilles plastifiées. Et donc, si le visiteur a envie d'explication, il prend la feuille plastifiée dans la langue de son choix et il lit tout en visitant cette celle-là, puis il la redépose et il passe dans la salle suivante. Est-ce que tu fais ce type de traduction aussi, Muriel? Traduction d'exposition ou bien uniquement catalogue? Ça m'est arrivé Photographe? quelquefois, mais rarement. C'est pas systématique. Je travaille plus pour des éditeurs de catalogues d'art ou de beaux livres. J'ai peu de contact direct avec des musées. Est-ce que si à ce stade-ci de la conversation, je te demandais les spécificités de la traduction du livre d'art ou du catalogue, qu'est-ce que tu dirais là comme ça à ce stade de la conversation? Alors, d'abord, je distinguerai quand même deux types de textes. Donc, les textes portant sur l'art ancien ou même l'art moderne et les textes portant sur l'art contemporain. Ce Oui. sont des textes fort différents, en fait. Bon, j'ai traduit plus de textes sur l'art ancien. Je vais quand même parler un petit peu des deux. Donc, la spécificité du texte d'art, c'est quand même beaucoup l'extralinguistique, donc tout le contexte culturel. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de. On s'intéresse beaucoup quand on parle des peintres anciens, on s'intéresse beaucoup à leur technique. Où il se situe dans l'histoire, ce dont parlait Catherine aussi, la dendrochronologie, enfin, toutes les techniques d'analyse des tableaux, il y a tout ça. Il y a tout ce que le tableau décrit, donc il y a vraiment beaucoup de recherches sur des points matériels, et il y a beaucoup de références, enfin beaucoup. Il y a peu, pas tant de références que ça, mais quand il y a des références à d'autres textes, ce sont des auteurs anciens. Voilà, il y en a quatre ou cinq qui reviennent toujours. Ça peut être une difficulté aussi, d'ailleurs, c'est que parfois, il faut se plonger dans du néerlandais ancien ou du latin. Bon, souvent, il y a quand même des traductions qui existent. Et alors, le texte d'art contemporain, là, les textes vont plus parler d'une mise en contexte, mais les références seront beaucoup plus philosophiques. Oui. Mais c'est aussi un travail de recherche, mais là, on est plutôt à aller fouiller en bibliothèque pour retrouver des extraits de Derrida ou de Leuze qui ont été cités en allemand. Et c'est une autre approche, une autre réflexion. Je les trouve, enfin, c'est plus difficile quand même, je trouve. Et c'est un autre type d'écriture aussi. Qu'on traduit des textes sur l'art ancien, disons. Ce sont des textes plus de type papier scientifique, résultat des dernières recherches. Et quand on traduit des textes sur des auteurs contemporains, on est plus sur une réflexion par rapport à l'état de l'art ou de ce médium en particulier. Dans l'instant présent, avec, comme je disais, donc des considérations
plus philosophique. Donc, je le disais, le texte d'art, il est pour moi au croisement entre le texte littéraire, avec des plumes très différentes et des volontés des parties pris d'écriture très différents, mais il y a quand même un effort d'écriture et des aspects techniques. Justement, dans la table ronde précédente, on parlait beaucoup de cette créativité qui était indispensable, parfois même à la limite de la réécriture, dans la traduction. Est-ce que ça t'est permis ou bien est-ce que c'est rédhibitoirement loin de toi d'oser toucher à la créativité du texte d'art que tu traduis? Moi, j'ai pas. Enfin, ça dépend de. Ça va dépendre un peu des relations avec le client, des relations même parfois avec l'auteur. C'est plus rare ces derniers temps, mais il y a une dizaine d'années, on entrait facilement en contact avec l'auteur. Enfin, moi, en tout cas, je me permets pas mal de liberté parce que le but, c'est quand même que le texte soit aisément compréhensible dans la langue d'arrivée. Or, les auteurs connaissent très bien leur sujet, et donc évidemment, c'est un coup classique. Eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent exprimer, et ce n'est pas pour autant que ça sera très clair pour nous, et donc a fortiori pour le lecteur final. Donc, je me permets de, jusqu'à un certain point, de la réécriture, de la réinterprétation, généralement à ce moment-là, avec un échange avec l'artiste. Pardon, oui, avec l'artiste Oui, éventuellement, aussi. ou avec l'auteur, et surtout avec le client. Ou bien je mets plein de notes pour le relecteur. On a souvent un relecteur aussi, Ah hein. oui. Ah bon? Un Oui. relecteur fourni par le client, alors. Oui. Donc, avec des relectures, des niveaux de relecture différents. Parfois, c'est juste du français, c'est de l'histoire de l'art. Parfois, il y a une re-rédaction partielle et une homogénéisation aussi. Forcément, pour un catalogue, c'est un peu normal. Dans un livre d'art où il y a plusieurs écritures, c'est un peu normal. Oui, Catherine, toi, la spécificité de la traduction des textes d'art, est-ce que tu abondes dans le sens de Muriel ou bien. Oui, moi aussi, je me permets de réécrire. Enfin, pour moi, le traducteur, c'est déjà le meilleur enfin, le lecteur le plus attentif de l'auteur. Je pense qu'il n'y a pas de lecteur aussi attentif qu'un traducteur, parce que quand on lit un texte, on a l'impression de tout comprendre, mais après, quand on doit le traduire, il y a plein de questions qui se posent dans plein de phrases où on se dit, mais est-ce que c'est ça qu'il veut dire, etc. Donc, moi, j'estime qu'il faut arriver à quelque chose aussi qui soit compréhensible pour le lecteur. Et donc, effectivement, moi, je me permets aussi de réécrire. Ça veut dire que je ne change pas le contenu, mais je peux aussi reformuler. Mais avant de reformuler, il faut effectivement que je sois sûre de ce que l'auteur veut dire. Et donc, c'est là que parfois, il faut avoir un contact avec lui ou poser des questions à l'un ou l'autre responsable de la publication, etc. Voilà, pour avoir un éclairage. Et alors, personnellement, ce que je trouve aussi, c'est quand je traduis, le premier jet, je fais le premier jet de tout le truc, de tout le texte, et pendant ce temps-là, je sais qu'il y a tel endroit où j'ai des questions, je ne suis pas sûre, etc. Et puis après, je dors quelques nuits dessus. Très bon conseil, Je très bon prends mes conseil. renseignements. Pardon? La nuit porte Excellent conseil, conseil, c'est moi, revenir sur cette traduction. je déteste faire un brouillon de traduction et puis la relecture de ma traduction le même jour. Ah oui, moi aussi. Passer une nuit dessus, il n'y a rien de tel. Est-ce qu'il y a mieux si on ne devait donner qu'un seul conseil Oui. à ceux qui nous écoutent, dormez sur votre traduction. Et donc, effectivement, après le premier brouillon, je prends les renseignements, etc. Et alors, parfois, je réécris dans le sens que je fais des choix. Je décide que du début à la fin du texte, il y a tel terme que je vais traduire comme ça. Enfin oui, parce que je trouve une chose importante aussi, c'est d'avoir de la cohérence et de l'uniformité
dans le texte Dans le pour texte. que le lecteur final puisse s'y retrouver. Et aussi, oui, je reformule parfois aussi quand j'estime que ce qu'il y a moyen de formuler ça mieux que ça ne l'est. Parce que je trouve que la lisibilité aussi du texte, le fait que ce soit agréable à lire, c'est quand même aussi très important, en plus de donner des informations. Muriel, dans tout ce que tu as traduit, si tu devais donner un de tes coups de cœur, alors ça peut être un artiste, une exposition, ça peut être n'importe quoi, mais un coup de cœur où tu as été, mais vraiment, Ah. c'était un plaisir de traduction. Ah là là, difficile, difficile. J'avais préparé quelques catalogues, mais ce n'était pas nécessairement les grands coups de cœur. Ah, mais Catherine peut commencer Oui, si. Oui, commence, parce Catherine, commence, s'il te plaît. que là, j'ai un petit catalogue un peu coquin. Enfin, C'est magnifique. un catalogue, un bouquin d'art un peu coquin que j'ai eu l'occasion de traduire Eh il bien, Catherine, on ne te connaissait pas, c'est y a pourtant concubines et courtisanes, mon quelques Dieu! années. Concubines et courtisanes, la femme dans l'art érotique chinois. Et donc, publié au fond C'était parfait. Mercator, écrit par F.M. Berthollet, qui est en fait un Belge collectionneur d'art et lui-même artiste. Et donc, il y a sa collection personnelle d'art érotique chinois qui devait être exposée à Europaliachine. Donc, il y a une dizaine d'années, je pense, c'était Oui, Europaliachine. Et les Chinois ont censuré. Et donc l'exposition n'a pas eu lieu, mais le le livre catalogue est là. est quand même sorti. Et franchement, c'était, enfin oui, moi on me propose ça, je trouve ça amusant. Et bon, c'était un peu coquin, mais en même temps, c'est toute une histoire de la condition de la femme chinoise. Donc il y a aussi un contenu que j'ai trouvé très intéressant. Donc ça, c'est un peu le petit clin d'œil. Tu vas avoir une poussée des ventes de ton catalogue demain aux éditions Mercator, Concubines et Courtisanes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et toi, Muriel? Bon, j'arrive pas à trouver un Ah, allez, exemple où c'est à la fois l'auteur m'attend, où c'est à la fois l'artiste et le texte. Alors, c'est deux exemples très différents. En termes d'artiste, Marthe Wéry, ça a été vraiment une découverte et pas seulement Marthe Wéry. Pour moi, ça a été la découverte de tout un pan de la peinture. Ça reste. Voilà, ça, c'était une vraie découverte. Et alors, un texte sur lequel j'ai. Enfin, oui, c'était un gros texte, oui, sur lequel j'ai énormément transpiré, mais j'ai trouvé ça passionnant. C'était la republication de l'Atlas de Gérard Mercator. Maintenant, le titre de m'échappe, c'est Gérard Mercator et le monde en atlas, je crois, le monde en carte et le monde en carte, voilà. Et ça, c'est un souvenir d'énormément de travail, mais passionnant. C'était passionnant. alors justement, Muriel, un conseil à donner à tous nos participants traducteurs qui sont là et qui se disent, oh là là, après ce débat, j'ai vraiment envie de faire de la traduction de catalogues ou de textes d'art ou d'expositions ou d'audio guide, peu importe, un conseil. Ah, ne me dis pas que tu vas passer la parole à Catherine. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Lancez-vous, lancez-vous. Et si on a envie, voilà, ben on trouvera le chemin, on suivra chacun son fil pour construire sa boîte à outils. Et c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas, ça, voilà, on Très le bien, sait très bien. toutes et Lancez-vous. tous. Lancez-vous. Catherine? Moi, je dirais laissez-vous porter par votre curiosité et vous ne serez pas déçus. Et alors, on terminera par la question essentielle que je vous ai posée déjà et sur laquelle vous avez, j'espère, beaucoup planché depuis. Est-ce que la traduction d'art est de la traduction littéraire, oui ou non? Ce grand silence est-il... Pour moi, ce n'est pas de la traduction littéraire parce qu'il n'y a pas nécessairement un style, mais c'est de la traduction
qui demande quand même que le traducteur ait une certaine plume. Oui, voilà. Donc, il y a quand même de la créativité à mettre dedans. Voilà. Oui, je dirais quand même, c'est plus largement, on en parlait hein, tout à l'heure de l'intersection, s'il fallait choisir entre traduction littéraire et traduction technique, je classerais la traduction de livres d'art dans de la traduction littéraire essentiellement à cause des... Enfin, d'abord, oui, parce qu'il y a quand même, il s'agit quand même d'écrire un texte fluide, compréhensible, agréable à lire, mais aussi parce qu'il y a énormément de références culturelles. Donc ça, je pense que c'est un point commun aussi important avec un texte littéraire qui fait toujours référence au monde extérieur, contrairement, je prends l'exemple le plus plat, au mode d'emploi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, nous sommes presque arrivés au bout de cette rencontre. Est-ce que vous voudriez, vous, ajouter un petit quelque chose qui ne me serait pas venu à l'esprit. Parfois, vous savez, l'animateur, il a ses questions en tête et puis il y a des choses a posteriori où l'intervenant dit « Ah, j'aurais dû dire ça !» Et puis l'animateur ne l'a pas demandé, donc on l'a oublié. Allez, on va commencer par Catherine cette fois-ci, parce que Muriel a souffert les deux autres fois. Oh là là, oui. Je ne sais pas. Oui, moi, je trouve, voilà, c'est une forme de traduction qui est hyper enrichissante, aussi bien au niveau de la langue qu'au niveau culturel, puisqu'on découvre tout un monde, et chaque fois qu'on entame une nouvelle traduction, on découvre autre chose. Muriel ? Je regarde dans mes petites notes s'il y a quelque chose que j'avais envie de dire. Et non, tu as bien couvert le sujet. Moi, j'ai quand même une petite question indiscrète. Est-ce qu'on peut vivre, alors on ne va pas le dire trop, est-ce qu'on peut vivre de la traduction d'art ? Ça dépend du niveau de vie auquel on aspire. D'accord. Oui, je dirais un peu la même chose, effectivement. Enfin, moi, c'est en arrivant à faire un mix de ça et d'autres choses que j'y arrive. Catherine, on constate que tu as les moyens de t'offrir une œuvre d'art exceptionnelle. Oui. Acheter mon seul achat aux enchères à la Fancifère des enfants. Voilà. C'est magnifique. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que bon, ça a été une conversation entre nous finalement, un peu comme si on avait eu la possibilité de se rencontrer autour d'une tasse de thé. Et c'est bien ce qu'on avait dit qu'on ferait quand on s'est rencontrés. Donc, je vous remercie mille fois. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés. J'espère qu'on leur a apporté quelque chose. Oui, oui.